Yo tout le monde, c'est Freezer, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite. Et donc on va s'acheter aujourd'hui un des nouveaux skins qui est dispo donc dans la boutique, vu qu'elle a été actualisée. Donc on pouvait s'attendre au début à des skins d'Halloween, mais à mon avis je pense qu'ils vont sûrement les sortir un petit peu plus tard. Ils attendent peut-être de retirer ceux-là hein, parce qu'ils sont toujours présents alors que normalement ils devaient disparaître. Donc peut-être qu'ils marchent bien, je sais pas. Donc du coup les nouveaux skins ils sont là. Donc on a deux skins et on a également le planeur. Donc le petit planeur lanterne et la petite pioche qui est pas très jolie, je vous avoue. Et autrement les deux skins sont pas trop mal. Donc vous avez le skin masculin. Le skin masculin franchement il est plutôt sympa, moi j'aime bien. Je trouve assez classe, le problème c'est qu'il est assez imposant je trouve. Donc on va prendre le skin féminin. Le seul truc qui est dommage avec le skin féminin c'est que c'est le truc derrière, regardez c'est tellement moche ça. C'est vraiment pas beau du tout. C'est dommage qu'ils aient pas mis une cape, ils auraient pu faire une cape avec. Sur celui-là, il y a une petite cape. Mais bon, c'est pas trop grave. Du coup, on va se l'acheter. 1500 V-Bucks. Voilà, donc c'est le skin Peste. Et l'autre skin s'appelait Fléau. Ok, très bien. Voilà, donc on l'a dans notre casier. On va ôter ça parce que c'est vraiment moche. On pourrait même mettre une cape si on veut. Mais on va le laisser sans cape. On va le laisser comme ça. Et je vais garder cette petite pioche que j'aime bien en ce moment. On va garder ça. Et on va aller du coup en solo, les potes. Et on se retrouve donc juste après. Ok les gars, on est reparti du coup. Donc j'ai fait une game juste avant, mais malheureusement ça s'est pas passé comme je voulais. J'avais quand même 5-6 kills à Paradise. Je crois que j'avais 5 kills à Paradise. Et bah, malheureusement il y avait la zone qui était jusqu'à Tilted. J'ai dû aller jusqu'à là-bas, j'avais pas de construit et tout. Et après il y a eu un gros fight où il y avait au moins 4-5 mecs dans les constructions qui campaient. Du coup bah j'ai pas réussi à m'en sortir, mais c'est pas trop grave. On va essayer de refaire quelque chose de mieux parce que enfin le gameplay d'avant aurait été trop ennuyant. C'était un peu la galère. Donc c'est pas grave, donc du coup j'ai pu un peu tester on va dire le skin dans la game d'avant. Mais je vais essayer de faire un truc un peu mieux. On va essayer de prendre la maison cassée comme d'habitude hein. Il y a déjà un mec là. Parfait. J'avais peur qu'il me tue lui. Lui ce qu'il a pris dans le crâne c'était... C'était pas très sympa hein. J'aurais pu tellement mourir en vrai avec le squelette qui avait déjà le pompe lourd dès le début de game. C'est quoi là ce qu'il m'a mis? On a eu trop chaud là. Ah. Ah mais je suis mort là en fait hein. Il y a un mec devant au lance-roquette et l'autre derrière. Il y a du monde partout. Faut qu'on se barre hein, parce que là je suis mort complètement sinon j'ai pas envie de perdre la game. Il faisait quoi lui? Le gars il est en haut d'un toit debout, il attend. Toi je t'ai vu. C'était pas prévu ça. Et j'arrive pas à le toucher hein.
Le gars il a glissé, il s'en fout complètement, il me voit en face, il boit la potion. Oh le pauvre. Ah, ça aurait été tellement bien si j'avais un piège, je le faisais glisser, je lui mettais un piège devant. Ça aurait été vraiment stylé. Il est fou lui. Enfin, tu étais vraiment cancer avec son lance-roquette. On va le prendre hein, de toute façon. Par contre, il est où son stuff là? Attendez, mais y a pas de lance-roquette là? Je sais pas où il est mort. Ah ok, il est là. Hop. Ils veulent tous me piéger, ils sont fous. Et je sais pas ce qu'ils ont avec moi, mais depuis tout à l'heure, ils me lancent tous des pièges. Ah mais laisse-moi toi. Oh il m'a pris mon kill en plus je crois. Il m'a volé le kill, il avait plus d'HP. On se prend la grosse potion. Coucou. Ça t'apprendra à voler les kills. Ah mais y a personne en fait. Ok. Je sais pas où ils sont les deux derniers. Allez hop. Ah, je vous le dis les gars, là on joue cancer, hein. On joue avec le lance-roquette. J'ai pas de snipe donc je suis obligé. J'ai rien d'autre autrement. Et en plus je veux gagner la partie. Donc on va assurer la win. Par contre je sais pas où il est le dernier. Je sais pas du tout. Il y a l'autre qui a pété en haut. Bah non, attends, en haut.
il est fou lui. Non mais par contre, faudra m'expliquer qu'est-ce qu'il faisait dans un buisson. Un John Wick avec un costume noir dans un buisson vert. C'est vrai que c'est pas du tout voyant. Il aurait pu prendre un skin vert, je sais pas, mais là, il s'en foutait complètement, lui. Bon, bah, au moins, les gars, on aura fait notre petit top 1, je voulais vraiment l'assurer, de toute façon. On aura fait que 10 kills, c'est dommage que l'autre game d'avant, je l'ai un peu raté, mais c'est pas grave. En tout cas, les gars, j'espère que cette petite vidéo sur ce nouveau petit skin, qui est franchement sympa. Moi, j'aime bien de dos, il est plutôt joli. N'hésitez pas, en tout cas, à lâcher un petit pouce bleu, et puis à vous abonner, comme d'habitude. Et puis, nous, du coup, on se retrouve donc très prochainement pour une prochaine vidéo.